Les joueurs qui sont toujours à l'échauffement, dans une ambiance qui commence à monter, hein, vous le voyez sur ces images. Ça va être chaud aujourd'hui. Salut, bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui au Tottenham Hotspur Stadium, où la pluie s'est invitée. Pierre Ménès est à mes côtés, très heureux lui aussi. On va suivre ce quart de finale aller Tottenham face au Bayern Munich. Sur le papier, le match s'annonce très intéressant. On s'attend forcément à avoir du spectacle pour un quart de finale. Pierre-Emile Rusberg. Dele Alli. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Lewandowski. Coman. Passe en profondeur de Coman. Bien joué. On peut poursuivre son action. Robert Lewandowski. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Davis. Alors qu'on aura bien sûr à l'œil Thomas Müller, l'attaquant allemand. Toujours super efficace. C'est un joueur incroyable, il ressemble à rien. On ne sait pas toujours où il joue, mais alors il est d'une efficacité, notamment devant le but, assez incroyable. Le match vient de commencer. Alors, pas de carton, l'arbitre reste calme. La tentative de bicyclette, mais bon, c'était pas dangereux. Ouais, sauf à moins d'un coup de bol, parce que là, c'est quand même passé loin. Hein. Koretka. Alphonso Davies. Avec Lewandowski. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Loris qui n'a pas capté. Attention! Elle presse cette équipe. Est-ce ce ballon qui traîne? Il frappe. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. La perte de balle pour Bayern. Et la percée de Tottenham qui ne va trouver personne pour l'enrayer. Allez, faut centrer vite. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. De bon coup d'œil. Ah, attention, ça peut aller très vite. Oh, la nouvelle occasion. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Moussa hein. Sissoko. Sissoko qui rend ce ballon à l'adversaire. Involontairement, bien sûr. Ça n'ira pas plus loin. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Pierre-Emile Rusberg. Serge Aurier. Oh, il n'y a personne pour le gêner dans le couloir. Ouais, bien vu le centre en retrait. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Les Bavarois qui espèrent bien sûr ouvrir le score avant la mi-temps. Coman. Reprend l'axe Coman. La bonne présence là du gardien. Ce sera un corner qui peut permettre au Bayern Munich de marquer et de passer devant. Ouais, très appliqué, hein, Kimmich sur ce corner. Ouais, avantage en faveur des Spurs, bien arbitré. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. Le Bayern de Munich à l'attaque. Thomas Müller. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, c'est contré par Alderweireld. Il cherche le point de pénalty. Le gardien qui préfère boxer ce corner avec Benjamin Pavard.
Et fin de la première période de ce quart de... C'est reparti, et les joueurs du Bayern Munich qui engagent. Kingsley Coman. Müller. Robert Lewandowski. Attention, attention à lui. Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Alderweireld. Le ballon est repris par Lewandowski. Bonne intervention défensive. Thomas Müller. Thomas Müller pour l'occasion. Et le but pour le Bayern. Le but pour le Bayern qui porte son avance à 2. Voilà ce qui arrive quand on se fait déposséder du ballon comme un débutant. Et là, clairement, il est pour lui ce but. Et le voici donc avec 2 buts d'avance. 2-0. Dele Alli, Pierre-Emile Højbjerg, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Müller. Oh, la faute, l'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Un coup franc très dangereux, encore plus quand c'est Lewandowski qui tire. Et c'est capté par le gardien, le coup franc qui ne donnera rien. Aurier. Steven Bergwijn. Allez, il peut prendre l'espace là. Kane. Dele Alli. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Bien donné encore une fois. Lewandowski. Attention, il est tout seul. Lewandowski. Oh, bien joué, Loris. Bien joué, il remporte ce duel. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Costa. Lewandowski. Douglas Costa, attention. Oh, il but. 3-0, ils prennent le large. Steven Darwin. Allez, il continue. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Douglas Costa. Benjamin Pavard. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Très bien défendu. Très bien défendu de la part d'Alderweireld. Aurier. Steven Bergwijn. Pierre-Emile Højbjerg. Et il continue tout seul. Ah, il progresse bien là. Non, finalement, ça ne donnera rien. Kimmich. La passe va être interceptée par Moussa Sissoko. Steven Bergwijn. Oui, avantage en faveur des Spurs, bien arbitré. Le centre vers ses coéquipiers. Ah, le Bayern est en train d'écraser ce match de sa domination. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Le Bayern qui perd le ballon. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça sort, ce sera une touche. Et Tottenham va devoir procéder à un remplacement après cette blessure. Robert Lewandowski.
le bon coup d'œil. Il va être à bout portant. Oh, c'est dévié. L'arbitre qui siffle la fin de ce match.